Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec les IST ou les anesthésies, ce qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles ou les infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, notre dernier cours, c'est la syphilis. Qu'est-ce que la syphilis par définition? C'est une infection sexuellement transmissible mais très contagieuse. L'origine, c'est-à-dire l'agent pathogène, le germe s'appelle le très premièrement pallidum, qui est une bactérie en support spirale. Le réservoir, il est strictement humain. Par clinique, comment se transmet cette maladie? Ils disent lors des rapports sexuels qui ne sont pas protégés, par contact avec une lésion de la peau, ce qu'on appelle une mucose. Le chancre et les éruptions dès le deuxième stade sont très contagieux, partant donc entre la première phase ou le premier stade et le deuxième stade, là il va y avoir un contagion. Alors des fois c'est post-transfusionnaire, par transfusion sanguine, c'est le sang qui n'est pas contrôlé, ou l'utilisation des drogues par voie intraveineuse. Les symptômes. La plupart des infections à syphilis ne décrochent pas de symptômes dits visibles. L'infection se développe en quatre phases. Donc les deux premières sont contagieuses, dans la première et dans la deuxième phase. Mais vous voyez là, j'ai vu la première, deuxième et troisième phase. Car la quatrième, c'est exactement la fille. Alors première phase, c'est entre 10 à 20 jours après l'infection. Qu'est-ce que l'on constate? Plaies qui sont indolores sur la peau ou les muqueuses. Par exemple, le pénis. Le gland, testicule, clitoris ou le vagin. L'anus, le téton, le rectum, les lèvres, la bouche et la gorge. Qui disparaissent sans traitement au bout de 3 à 6 semaines. En l'absence de traitement, au cours de la première phase, automatiquement, la deuxième phase va s'installer. L'infection rentre dans une phase secondaire. Que veut dire la phase secondaire? C'est entre 6 semaines à 6 mois après la première plaie. Là, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons des éruptions cutanées, souvent au niveau des paumes, des mains ou des plantes des pieds. Qu'est-ce que nous voyons? La fièvre rhumatique et des pourparlers. Même dans la deuxième phase, si la deuxième phase n'est pas aussi traitée, automatiquement il va y avoir la troisième phase, qu'on appelle le stade tertiaire ou phase 3. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a des nodulosités qui s'envolent et qui évoluent vers l'ulcération. Alors le diagnostic, quatrième 2, alors il se repose essentiellement sur la sérologie. Ce que nous appelons généralement TPHA et BDR, c'est-à-dire la recherche des anticorps anti-tréponème PAR. Alors, il y a ce qu'on appelle la recherche génétique. Vous pouvez utiliser un microscope à point noir. Prévention. Comment prévenir cette maladie? Alors, elle repose surtout sur le dépistage systématique. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait être asymptomatique. Alors, et aussi sur le traitement des partenaires sexuels des malades. Merci.